Attention, mais c'est un grave. L'heure est grave. Nous avons peut-être un meurtre. Attention, parmi l'expert cuisine. Attention. L'expert cuisine. L'expert design messageon. Et dans la place. Allez, attention, on joue aujourd'hui à NCIS Hidden Crime. Donc, NCIS, tout le monde connaît cette. Punaise. Oh. Oh là là, on doit trouver qui est le coupable. Voilà, allez, Gibbs, on a signalé un meurtre dans le parc du Capitole. La victime est un journaliste, sa femme faisait partie des Marines. Elle est aujourd'hui attachée de liaison militaire à la Maison Blanche. Prenez votre matériel, c'est l'heure de traquer les preuves. Allez au boulot. Ouh, j'aime ça le boulot, Allez. Allez, on va au centre commercial du Capitole. C'est parti. D'accord, trouvez les objets. C'est parti. Trouvez les objets cachés dans la scène. Nounours. Voilà. Cadavre. Là, George Washington. Voilà, boule à neige. Et pistolet. Collecté. Bravo. C'est bien. Il y a un peu de sous. Il y a un peu d'énergie. C'est bien. Allez, continue. Va-t-on tuer une nouvelle personne? J'aime bien la coupe. On a quand même une coupe, tac. Le pistolet que vous avez trouvé comportait des empreintes digitales. La balistique devrait pouvoir confirmer s'il s'agit du crime. Rapportez le nounours à Abby. La dépouille de la victime est auprès de Ducky pour autopsie. C'est très très gai cette vidéo. Dinozzo, les objets sont indiqués ici. Touchez l'objet pour lancer l'analyse. Super, maintenant examinez l'analyse. Voilà. Alors on va trouver ce truc. Assembler les pièces, d'accord. Comme c'en était. Alors. Popopo. Inspecteur messageon dans la place, attention. Allez, touchez pour continuer. Salut, le bleu, je m'appelle Abby, le nounours que vous m'avez apporté dissimulé. En fait, une caméra, par chance, elle a pris quelques clichés avant le meurtre. L'une de nos photos montre l'épouse de Frances Palmerman avec une mystérieuse femme blonde. Tenez-vous, vous aiderez à trouver cette femme dans la base de données. Le foulard trouvé dans le nounours est maculé du sang de la victime. Il sent un parfum de femme. Votre tueur a dû le porter. Bien entendu. Nouveau profil criminel. Voilà. Côté. Voilà. Dinozzo, consultez les résultats. Résultat. Le cadavre. C'est moi qui l'ai tué. Ça m'a l'air plutôt simple. J'ai trop. Monsieur Coleman a par balle à l'abdomen, il est mort des suites de l'hémorragie, une mort douloureuse mais rapide. J'ai envoyé la balle que j'ai extrait du corps du malheureux monsieur Suito tout à l'heure. Elle vient de m'envoyer
Le rapport balistique confirmant que la balle provient du pistolet trouvé sur les lieux du crime. Vous tenez l'arme du crime. Autre fait intéressant, j'ai trouvé des cheveux sous l'ongle de la victime. Il a dû les arracher au meurtrier en se débattant. Merci Ducky. Duck, ouais. Allez, collectez aussi. Serons-nous le meilleur expert? Bishop a laissé une copie des dossiers sur la femme de la victime. Regardez sur mon bureau au QG. Nous devrions également vérifier la base de données biométriques. Tâchez de trouver une conscience. Voilà, allez. Dinozo. Accéder à la scène du crime pour prendre un indice. Ça va être chaud. On dirait un taxi américain. Alors, trouver tous les objets. Alors, toucher les mots pour révéler le... Ah ouais. Il y en a un là, un ordinateur portable, il y en a un autre où, un ordinateur portable. On s'en fout après. Marqueur. Dossier des suspects. Collecter. Bateau. Ah ouais. Putain, c'est dur. Et mon quoi là, c'est quoi qu'il y a derrière? Comics. C'est quoi ça? Heureusement qu'il a bougé. Faites glisser la photo. Je sais que celle-là est encore une pute. Oh, on l'a trouvé. Collecté. D'accord, super. Scène terminée. On va devenir les meilleurs agents secrets. Allez. Dinozo, apparemment la victime possède une assurance vie. Qui était bénéficiaire? Femme bien sûr, Frances Coleman. On a identifié la femme mystère grâce à la base de données. Elle s'appelle Lucia Gliaz. C'est une employée à la Maison Blanche. Elle travaille dans ce que Frances Coleman. Règle numéro 39 de Gibbs. Les coïncidences n'existent pas. Qu'on vous colle. Allez, on va les trouver. Oui, on va les trouver, hein. Sûr. Gibbs. J'ai effectué un prélèvement sur les deux scènes suspectes. Elles portent une photo. Toutes les deux, le parfum trouvé dans le foulard à l'intérieur du nounours. J'ai également découvert que Lucy Diaz a retrouvé la victime en cachette dans un hôtel tout le mois dernier. Il avait peut-être une liaison et il refusait de quitter sa femme. Bien joué, Abby. Nous tenons nos deux suspects et possédons suffisamment de preuves pour procéder à l'arrestation. A vous de jouer, le bleu, faites le bon choix. Dinozo, il vous faut plus de pièces, rendez visite à Abby en échange. Il y a la scène pour déverrouiller un mode de jeu. C'est quand vous avez. On va pas les trouver, ces putains de victimes, ces putains de coupables de merde.
Un spectacle qui est dans la place. Calmons-nous, ne parler. Attends, j'ai terminé. Allez, hop, continue. Maintenant que vous avez tous les objets, vous pouvez obtenir la pièce. Et ouais. On va prendre l'épisode. Nous avons deux suspects. Penchons-nous sur leur cas, puis procédons à l'arrestation. Celle-là. Le profil du tueur correspond-il? Fiez-vous à votre instinct et arrêtez le coupable. Oui! On l'arrête. Correspondance, voilà. Popopo! Lucie Diaz, on a trouvé des photos de vous et du parfum qui vous relie au lieu du crime. De plus, on a trouvé vos cheveux blonds sous les ongles de James Coleman. Mettez-vous à table. Il a prétendu m'aimer pour obtenir des preuves. J'espère que vous avez apprécié toutes les images contenues dans ce fichier nounours, agent Gibbs. James n'aurait pas dû nous approcher. Nous ? De qui est-il question ? Si vous ignorez qui nous sommes, agent Gibbs, vous le savez bien aussitôt, James ne nous intéressait pas. Sa femme était plus importante à nos yeux. Franz Coleman, que lui avez-vous ? Rien de personnel, mais sa position sur l'échiquier nous intéresse, agent Gibbs. Vous m'avez pincé, mais mes frères termineront la mission. Vous avez d'ores et déjà perdu. Dites à vos frangins que je les attends de pied ferme. La suite au prochain épisode. J'espère que ça sera plus, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode, donc... Attendez... Est-ce que c'est pas fini, par hasard? Nous en ferons demain mener. Lucie Diaz est en détention, mais... Mais j'ai bien peur que cette affaire ne reste pas là. Je partage votre inquiétude, Léon. Garde un œil sur Frances Coleman. Voilà. Allez, maintenant c'est vraiment... C'est vraiment la fin. On se retrouve la prochaine fois pour le deuxième épisode. Donc épisode 1 terminé. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. Donc, et on se retrouve mercredi donc pour l'épisode 2. Voilà, allez. C'était... Inspecteur Messageon.